Good morning, Aleiden. Tu seras aujourd'hui le nid. Je m'attends moi-même à Ben Khadab et Gibet Esterza, Batman Altov, Chichiporti, Simon Batlori, Michael Novikov et mon grand-père Yaakov Ben Aisha. Et aussi des refouat, Ruth Bat Claudine Traina, Betor Char Chole Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Misha, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Shivuot, Perik Bet, Mishnah Bet. אחד הנכנס לעזרה ואחד הנכנס לתוספת העזרה שאין מוסיפין על העיר ועל העזרות אלא במלך ונביא והורים ותומים ובסנדרין של 71 ובשתי תודות ובשיר ובית דין מהלכין ושתי תודות אחריהם וכל ישראל אחריהם הפנימית נאכלת והחיצונה נשרפת וכל שלא נעשה וכל אלו הנכנס לשם אין חייבין עליה ובפרטנות משן פרסון תחז אמפורטנט. On a évoqué dans la Mishnah précédente l'interdit d'entrer au Beit HaMikdash alors que l'on est impur. En oubliant que cet endroit-là était le Beit HaMikdash ou qu'on a été tel. D'accord ? On a oublié que c'était le Beit HaMikdash. Qu'appelle-t-on le Beit HaMikdash ? Qu'appelle-t-on la Hazara ? Alors là, vous allez me dire, c'est évident, c'est ce qui est écrit dans les prophètes, dans Shlomo HaMelech par exemple, il est là-bas, il a désigné Yerushalayim, je ne sais pas, c'est écrit que c'est devenu Kadosh. Bonne réponse, mais qu'à moitié. Soit on peut élargir la Gdusha, on peut élargir le cercle de la Hazara et le cercle même de Yerushalayim, on peut élargir Yerushalayim et qu'on va donner une Gdushat Yerushalayim complètement, une Gdushat Hazara à ce qu'on va rajouter. Au point où on va désigner, on va prendre un endroit, il y a des conditions, c'est ce qu'on va justement apprendre dans notre Mishnah. On va prendre, on estime que la Hazara, l'enceinte du Beit HaMikdash, elle ne contient pas assez tout Israël, on devrait l'élargir, lui rajouter 15 mètres. Alors d'abord, si on va prendre le mur, la muraille, si on réussit à le faire, on va la déplacer de 15 mètres en arrière. Il faut savoir, le nouvel endroit, il ne sera pas encore Kadosh par la Gdushat Yerushalayim. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça devienne Kadosh par la Gdushat Yerushalayim ? Il y a tout un procédé qu'on va prendre dans notre Mishnah. Aussi bien donc pour élargir la Hazara, que pour, la Hazara c'est l'enceinte du Beit HaMikdash. Si on veut élargir la Hazara, il va y avoir un procédé. Et idem aussi, si on va vouloir élargir la Gdusha de Yerushalayim aussi. On peut faire que Yerushalayim va devenir plus grand. D'ailleurs, dans l'histoire, Yerushalayim a été élargi à plusieurs époques. Il y a eu déjà, pour élargir la Hazara, l'enceinte du Beit HaMikdash, c'est rapporté dans Yoshafat. Il a rajouté une partie du Harabait. Il a sanctifié une partie. Donc il y a d'Alachot. Et c'est ce qu'on va voir justement dans notre Mishnah. Echad anichnas la Hazara, echad anichnas le Tosefet Hazara. Sache que quand je te dis que tu es passible de khatat si tu entres au Beit HaMikdash en étant tamé, Echad anichnas la Hazara, on le condamne aussi bien celui qui entre dans la Hazara même, dans l'enceinte même du Beit HaMikdash, Echad anichnas le Tosefet Hazara, ou celui qui va entrer sur l'ajout de la Hazara, ce qu'on a élargi de la Hazara. Que chez El Mosifin Alaïr, parce qu'il est possible de rajouter, mais uniquement de cette manière, donc on le rajoutera à la ville, chez El Mosifin Alaïr, qu'on le rajoutera à la ville, vers la Hazarot, ou encore sur la Hazarot, soit tu peux élargir, soit Yerushalayim, soit les Hazarot, les enceintes, la Ezrat Akohanim, Ezrat Nashim, d'accord, Ezrat Israël, tu pourras allonger tout ça, élargir les Hazarot de chacun, et là, il y a plusieurs conditions. Bamelech, qu'il y ait un roi. Venavi, qu'il y ait un prophète. Veurim vetumim, qu'il y ait le Kohen Gadol, qui marche avec le pectoral et les 12 noms des tribus sur lui. Ve obesanedrin shel shivim ve'echad, il faut aussi qu'il y ait le Sanhedrin composé des 71 juges. Le Sanhedrin de Yerushalayim, pas les juges qui étaient dans les villes où il n'y en avait que 23, celui de Yerushalayim spécialement qui était le Beddin de Shivim ve'echad. Besanedrin shel shivim ve'echad. Ou bishte todot, et aussi il faut faire deux korbanot toda, et on va prendre les pains, on va expliquer ensuite, un peu plus précisément de quoi on parle, mais en tout cas, on va prendre les pains qu'il faut apporter avec cette toda, ce korban toda, c'est une sorte de sacrifice, ou béchir, et aussi, il faut que les lévim, ils prennent leurs instruments de musique, et qu'ils chantent, et qu'ils font de la musique, et qu'ils chantent pendant qu'on va marcher tout autour de la ville, ou bet din mehalchin, et le bet din marche en tête, ou shtei todot achareihem, et il y a, tel que c'est écrit explicitement, il y a les deux korban toda, en réalité, qui étaient les pains des korban todot, qui marchent derrière eux. Mais kol Israël acharem, et tout le peuple d'Israël qui a voulu se joindre après eux, donc vous imaginez un peu à quoi ça ressemble, ouais.
Bonne illustration. En réalité, juge inverse. Il faut dire qu'il y a les Todot, les deux pains de Toda qui marchent en devant. Et après, le Bet Din Yerushalayim, il y avait en tête, bien sûr, le roi et le Kohen Gadol et le prophète de la génération, les 71 juges, les Lévim qui chantaient aussi. Ils chantaient plusieurs prakim. Il y avait les Mizmor Shir Hanukkah Beit le David. Il fallait chanter Shir Shel Begaim qui Yoshev Veseter Elyon aussi. Les Shir chantaient aussi Mizmor la David Bevochro Bifna Shalom Beno. Ça rapporte ici, c'est dans la Gemara aussi tout ça. Donc ils font comme ça, tout ça, ils font le tour de Yerushalayim, et grâce à leur mise en scène, ce qu'ils sont en train de faire, de cette marche, quoi, alors ils vont rendre ainsi Kadosh le... Ils sont en train de marquer le nouveau périmètre de Yerushalayim, ou s'ils veulent rajouter sur la Hazara, ce sera le même principe, on expliquera un petit peu mieux après. Mais Kol Yisrael Achareihem, et donc, puisque je t'ai dit de marcher avec deux Korban Toda, sache que Hapnimit Nechelet, celle qui est interne pourra être mangée, celle qui est externe, la Chitzona Nisrefet, celle qui est externe devra nécessairement être brûlée. Vekol Shalona Asa Vekol Elu, tout ce que l'on a ajouté sur la Hazara sans procéder de cette manière, Anichnas Lesham En Chayavin Alea, celui qui entrera dans cet endroit n'est pas passible de Khatat ou de. D'accord ? Il n'est pas possible de khatat même s'il est entré inconsciemment. Soit, donc, je recommence très rapidement. Si je prends la muraille de Yerushalayim ou bien la muraille de Arabait et je la déplace, je rajoute 15 mètres, et bien je dois savoir que cet endroit-là que j'ai ajouté n'est pas encore Kadosh. Pour pouvoir devenir Kadosh, il faut faire tout un tekes, toute une belle mise en scène comme ça, où on va apporter donc tous les gens Hashuvim d'Israël. Le prophète, le roi, le Kohen Gadol avec le Urim Vetumim qui va marcher. Il y a derrière eux les 71 juges du Beth Amikdash. Ensuite, il y avait là-bas tout, encore tout le peuple d'Israël qui avait le sojourn. Il y avait les Lévim qui faisaient de la musique. Et ensemble, ils vont faire tous ensemble le tour de cet endroit qu'ils veulent sanctifier. Et maintenant, cet endroit va devenir Kadosh. D'accord ? Maintenant, plus précisément, apporter une précision sur les Toda. Un Korban Toda d'abord. Il y a plusieurs, ceux qui lisent la Mishnah de Ezeu Mekoman Shel Zvachim le matin, c'est important de la lire et même de comprendre, alors ils verront là-bas qu'il y a des Kodesh Kadashim et des Kodesh Kalim. Il y a des Korbanot où la viande doit être nécessairement mangée dans l'enceinte du Beth Amikdash. Et il y a d'autres Korbanot, on a le droit de manger dans tout Yerushalayim. En l'occurrence, un bon exemple, c'est le Korban Toda. D'accord ? Un sacrifice, hein, c'est comme un Shlamim mais qui s'appelle Toda, un remerciement à Hachem. Et il faut apporter avec ce Korban Toda quelque chose de très particulier, d'apporter des pains avec lui. Il faut apporter 40 pains, c'est toute une histoire, vraiment, en quel type de pain, 3, 4 sortes de pains en réalité. Peu importe, il faut en tout cas fabriquer des pains. Et bien, il faut prendre ensuite de cette Korban Toda, on va faire deux Korban Toda en fait, et on va prendre de chacune un pain, Chametz même, et on va les faire marcher autour du Yerushalayim. C'est-à-dire, on va prendre deux Kohanim, qui vont garder ça, ils vont le prendre dans la main, ils vont marcher à la tête du défilé, ils vont faire le tour d'Yerushalayim. Par cela, on va marquer que l'endroit, puisque consciemment, avec le Navi, avec le roi et les Sanhedrin, on est tous ensemble en train de marcher dehors avec une viande Toda, avec un pain Toda, alors que normalement on n'a pas le droit de le faire sortir en dehors d'Yerushalayim, et là on est en train de le faire, alors là on est en train de marquer que on est en train de changer l'état de la ville. De ce fait, par cela, on va transformer la ville en Kadosh. Parce que je prends du Kadosh en le sortant dans un endroit où il ne devait pas y être, mais que je le fais après concertation et après attestation de tous les Hashuvim du Ham Israël, en marchant avec eux, alors par là, on marque que désormais, cet endroit-là où on est en train de marcher, ce nouveau périmètre qu'on est en train de marquer, c'est devenu en soi-même Kadosh par la Kedusha d'Yerushalayim, lorsqu'on veut le faire à Yerushalayim. Donc il faudra prendre un Korban Toda qu'on a le droit de manger à l'intérieur de tout Yerushalayim. Lorsqu'on veut ajouter sur les Hazarot du Beth Amikdash, ça ne suffira pas de prendre une Toda, étant donné que la Toda, le Korban Toda, il a le droit de se retrouver dans tout Yerushalayim. Donc cette fois-ci, il faudra prendre nécessairement une Mincha, d'accord, une oblation, et on prendra les restes de la Mincha et on fera le tour avec le même principe. Lorsqu'on maintenant on va marcher les deux ensemble, il y a une discussion est-ce qu'il faut marcher avec les deux Korban Toda. Est-ce qu'ils marchent côte à côte ou est-ce qu'ils marchent un derrière l'autre? Quoi qu'il arrive, il y a marqué dans le Mishnah qui nous enseigne Apnimit, désormais, celle qui est interne, donc s'il marche côte à côte, celle qui est interne dans le petit périmètre interne,
Alors lui, il est à l'intérieur de Rosh Hashanah, il pourra continuer à manger son korban Toda, même s'il l'a fait sortir. Il l'a pas fait sortir parce qu'il l'a fait sortir en rendant Kadosh là où il marche. Ça, c'est quand c'est un korban Toda. Et celui qui est l'externe, il a été possède, il a invalidé son pain à la consommation, étant donné qu'il a été possède l'auto. Beitia, Beyotse, interdit de faire sortir quelque chose de Kadosh de l'endroit où il devait se retrouver. D'accord ? On a fini, je crois, l'essentiel de la Mishnah. On n'a qu'à le refaire très rapidement. Shen Mosifin Alayir. On ne peut rajouter sur la ville, si on parle de la ville, donc il faut apporter des todas. Ve'ala Azarot, et ajouter aussi sur l'enceinte du Betamikdash. Donc il faudra apporter une mincha, comme ce qu'on a dit. Et là, uniquement, que s'il y a Melech, un roi, Navi, un prophète, Urim Vetumim. Urim Vetumim, c'est le Kohen Gadol qui portait le pectoral. Ou Besanedrin Shel Shibim Ve'echad, qui est lié le grand Sanedrin des 71 juges. Ou Bishite Todot, on apportera aussi deux korban todas. Et en plus de ça, derrière tout ça, au Beshir, dans l'ambiance, avec les amis nanars qui chantent. D'accord ? Les Lévim, c'était les nanars de l'époque. Et voilà. D'accord ? Ou Beddin Mealchin, et le Beddin marche. Ou Shte Todot aussi marche. Achareyem, le Beddin il est Acharey Shte Todot. D'accord ? Il y a un problème de lecture dans la Mishnah, comme ça, on explique. Les Kol Israël Achareyem, et tout le peuple d'Israël continue à marcher derrière. Et donc, Apni Mitne Chelet Vachitsonan Israfet. Et voilà, l'interne, elle, pourra être mangée, étant donné qu'elle n'est pas sortie en dehors du Beth Amikdash, ou de Yerushalayim, et l'externe, elle sera, elle, sortie, puisque c'est elle qui marque le territoire. Donc au moment où elle sort, elle commence par sortir, et puis après elle marche dans la partie externe du mur, donc elle est sortie. D'accord ? C'était nécessaire, on avait le droit de le faire, en tout cas. Voilà, on a toujours à manger. D'où on apprend tout ça aussi, connaissance importante, on apprend tout ça, c'est très simple. Si ça peut vous prendre, il y a des livres dans le Tanakh que rares sont ceux qui les touchent. D'accord, il y a Tréhassar, Daniel, Ezra, Nehemia. Alors dans le livre de Nehemia, c'est le dernier livre du Tanakh. D'accord, des Ketuvim. Là-bas, il y a toute l'histoire de Nehemia qui est revenue en Eretz Israël et qui ont reconstruit le Beth Amikdash. Et à l'époque de Nehemia, donc une fois qu'ils ont reconstruit le Beth Amikdash et qu'ils ont rénové la ville de Yerushalayim, ensuite, ils ont sanctifié la ville, ils ont sanctifié le Beth Amikdash, et là-bas, le pasouk nous raconte qu'ils ont fait toute la mise en scène là, qu'on a évoquée. La plupart, elle est déjà tout expliquée là-bas, tout explicité là-bas. Donc nous, on refait exactement la même chose, avec une petite différence, c'est qu'eux, ils n'avaient déjà plus le Urim Vetumim. Mais malgré tout, la Gemara, elle explique que à l'époque de Nehemia, ils n'ont pas renouvelé, ils n'ont pas initier plutôt la Kdusha de Yerushalayim. La Kdusha, elle était déjà là depuis l'époque de Shlomo HaMelech. C'est juste pour pouvoir marquer le coup. Alors ils ont repris cette marche, ils ont fait comme si ils étaient en train de sanctifier, mais en réalité c'était déjà Kadosh. Donc c'est pour ça que même s'il n'y avait pas l'Urim Vetumim, c'était caché. À notre époque, donc on n'a plus l'Urim Vetumim, on ne pourra plus élargir le cercle de Yerushalayim, tout simplement. On fait le Barthénois très rapidement. Et Chada Nichnas Lazara, qu'il s'agit de celui qui entre dans Lazara, Rishona, dans la première Ezra. Ouais, il y a plusieurs enceintes, mais en Tachem, un jour on arrivera à Masechet Midot, on apprendra tout ça. Il y a la Ezrat HaKohanim, Ezrat HaNashim, et alors, Ezrat Israël. Ezrat HaNashim, c'est pas l'endroit où les femmes se trouvaient, c'est l'endroit où les femmes avaient le droit d'aller. Jusqu'à la dernière limite, les femmes avaient le droit d'aller. Mais la Ezrat HaNashim, la Misra, c'est tout là-bas. Echad HaNichnas LeTosefet, pas comme les Ezrat HaNashim de la Beth Knesset, où c'est l'endroit où il y a les femmes qui prient. Les hommes n'ont pas le droit d'entrer là-bas, enfin. Il y a des femmes qui sont là-bas. Vechada Nichnas et Tosefet Azara. Ou encore celui qui entre dans l'ajout de la Azara, de l'enceinte. Chez Osifu, Alea Cherchen, qu'ils ont ajouté ensuite, après l'époque de David Ameler, de Shlomo Ameler, ils ont ajouté sur l'enceinte du Beth Amikdash. Chez Mosifin et Cholé. Qu'on ne peut ajouter que s'il y a ces conditions. L'efficar, il y a un problème de. Quand on l'a dit à l'oral, mais il y a un problème d'enchaîner les deux phrases. Le She'en, qu'est-ce que tu viens justifier? Alors le Barthénois nous explique la liaison. Les Fikar, Higdusha, le Karishana. Sache que c'est pour cette raison que c'est possible d'ajouter sur la première Higdusha. Parce qu'il l'a fait. Et là, Be, Meler, uniquement s'il y a le roi. De Amarkra, comme le Pasuk nous dit. Kechol Asherani Mar'e Otecha et Tavin Tamishkan, Be Tavinit Kolkela Vechen Taasu. Il y a un Pasuk sur Moshe Rabbeinu quand Hashem lui a ordonné la construction du Mishkan et des Kelim. Alors Hachem il lui a dit Kechol Asherani Marotra, comme tout ce que je te montre en ce moment sur la montagne, et t'avenit à Mishkan, la forme du Mishkan, et t'avenit Kolkelav, et aussi l'allure qu'aura, encore devront avoir tous les ustensiles, et rendasson, ainsi vous ferez. Il y a là-bas une insistance. Kraï et Terra, ou les Midrash de la Dorot.
il y a un pasouk, c'est un pasouk en trop parce que ça a déjà été précisé auparavant, là-bas dans la paracha. Alors, pour t'apprendre que pour les générations à venir, ça devrait être le même principe. Ou bimé Moshe, à l'époque de Moshe Rabbeinu, ou Melech Venavi, Moshe, il avait une double fonction. On l'appelle Moshe Rabbeinu, mais en fait, il est à la fois, il a un statut de Melech, dans plein d'endroits, on remarque qu'il a un statut, Vaï Bishurun Melech, on apprend que Moshe Rabbeinu, il avait un statut de roi. Venavi, et il fallait qu'on suive plus de saint prophète, qui est en l'occurrence Moshe Rabbeinu, Ve'achiv Kohen Gadol, et son frère le Kohen Gadol aussi, Vaïusha Morim Vetumim, et il y avait en plus de ça, les Orim Vetumim, le pectoral du Kohen Gadol, Ve'shivim Skenim aussi, le 61, le 70, Zekenim, Afle Drotken, idem pour les générations à venir, si tu voudras ajouter de la Kdusha sur un lieu, tu devras le faire de cette manière. Ou Bishte Todot, alors apporte aussi deux korban Toda. Bishte Lachme Toda, avec deux pains de Toda. Ve'ayun aussi, Motan Behekev, Saviv, Adsof, Hagvul, Shemekachim. Ils devaient les porter avec eux, ces deux pains-là de la Toda. Ils devaient, aussi, Motan Behekev, ils devaient les porter en périmètre, Behekev, en faisant le tour. Saviv, tout autour. Adsof, Hagvul, Shemekachim, jusqu'à la dernière limite. Qu'il sanctifie. Vesham ochlim ha'achat vesorfim ha'shnia. Et là-bas, ils devront s'arrêter, se poser, manger la première et brûler la deuxième, l'autre. Ve'alpi navi ne'echelet, ve'alpi navi ne'srefet. Et sur la bouche du navi, on l'a. C'est le navi qui nous a enseigné qu'il fallait manger une et brûler l'autre. Ve'ayno detnan apnimit ne'echelet ve'chetsonan ne'srefet. Donc c'est ce qu'on enseigne dans le Mishnah, que l'interne, celle qui fait le périmètre interne, le petit périmètre, alors, Nechelet, elle sera elle mangée. Vachitsonen, elle sera être par contre l'externe, il faudra la manger. Minechemia ben Chachilia Gamar. Tout ça, on apprend ça des versets du livre de Nechemia ben Chachilia. Dirtiv be, comme il est dit dans le pasouk, va amida acheter ton dot de l'autre. Là-bas, il y a marqué dans le pasouk, vous pouvez le regarder, j'ai laissé, bon, on ne va pas l'ouvrir, ça va être trop long sinon. Il y a marqué là-bas qu'il raconte qu'il a laissé deux korban toda, de l'autre, grande. Ou Beshir, il fallait chanter aussi. Ashir Shayu Omrim, quel était le chant que disaient les Lévim ce jour-là où on sanctifiait la ville? Aromimcha Hashem qui dit l'Etani, le fameux Mizmor Shachanukat Lebeid, Aromimcha Hashem qui dit l'Etani. Et ensuite, au Beit Sheni, sache que. Alors, le partenaire se lève un problème. Dans le deuxième arrêt, Nechemia ben Chachilia, c'était dans le deuxième Beit, dans la reconstruction du Beit Amigdash, donc le deuxième Beit, le deuxième temple. Alors il y a un problème, c'est qu'à cette époque, il n'y avait déjà plus l'Urim et Thummim. Depuis la fin des Menachim, je ne sais plus c'était quel roi, qui a pris l'Urim et Thummim, il a pris le Haron, il les a enterrés sous terre pour ne pas qu'ils se fassent ensuite spolier et prendre par les Goïm. Donc de ce fait, l'Urim et Thummim aussi, on ne l'a plus à notre époque. Il nous restait le pectoral avec les lumières, mais il n'y avait plus à l'intérieur le Klaf, où il y avait dedans écrit tous les Shemot, les noms d'Hachem, le nom de 70, de 72 lettres, avec lequel le Kohen Gadol pouvait voir les lettres qui s'illuminaient et obtenir ses réponses. Donc il n'y avait plus tout ça au Beit Sheni. Ouais, au Beit Sheni, afin que Shelo haya sham lo melech velo urim vetumim. À l'époque du deuxième Beit Hamikdash, bien qu'il n'y avait plus de roi et ni même de urim vetumim, il n'y avait plus de roi non plus. Il n'y avait que des nesim. Akdusha shekidei Shlomo abayit abarishona kidsha leshata vekidsha latilo. Sache qu'en fait Nechemia faisait que du théâtre en fait. Il n'y avait aucune nécessité de le faire. Mishurat Adin, selon la truc, pourquoi? Parce que la première Gdusha qu'il a fait Shlomo HaMelech sur la ville, Kidsha Leshata, il a rendu la ville sainte pour cette époque-là. Mais Kidsha Latilavo, elle est devenue Kedosha, même pour la suite des générations. Ouais. Kidsha Leshata, Kidsha Latilavo, il a rendu Kadosh, même pour. D'accord. Et la Gdusha, avec Kitsur. La Gdusha que Shlomo HaMelech a donnée à la ville, ou à Yerushalayim, elle est là, elle ne bouge pas, même si Yerushalayim est passé dans les mains au milieu des Romains ou dans quoi que ce soit, malgré tout, la Kedusha de Shlomo, elle n'a pas été déracinée. Ou Bavavoda de Nechemia, alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il a fait Nechemia ben Chachilia? Pourquoi il a fait toute cette mise en scène? Les Zecher Be'alma, c'était uniquement pour marquer le coup, pour montrer qu'il faut, en théorie, fonctionner de la sorte, mais lui, Behemet, il a fonctionné de la sorte que pour rappeler ce qu'il faisait à l'époque. Pour sanctifier, même si il n'y avait pas toutes les conditions requises pour pouvoir sanctifier la ville. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je souhaite une journée pleine de la Slacha Koltouk, c'est là.